Le prince, lui, mène la vie de château, mais sur les plateaux de télé. Toujours prêt à s'amuser, à rire et à chanter. S'envoyer en l'air, faire valser les filles, le descendant de la couronne d'Italie est devenu un saltimbanque prêt à se ridiculiser pour retrouver l'amour des Italiens. En Italie, le prince Emmanuel Philibert de Savoie, 38 ans, est devenu une star du petit écran. Un aristocrate saltimbanque qui n'hésite pas à se moquer de lui-même. Una città qui ma perché non pensi al traffico che c'è e quando piove poi lo sai parcheggio non si trova mai. Le prince utilise la télé pour se réconcilier avec l'Italie. Il y a 60 ans, sa famille a été chassée du pays pour avoir été un peu trop proche de l'Allemagne nazie. Il y a 9 ans, c'est Silvio Berlusconi lui-même qui a facilité le retour de l'ex-famille royale. Désormais, le prince en jean et basket peut surgir sur la place du village. Ce jour-là, il vient enregistrer une émission pour la RAI. De la télé-réalité façon Starac ou Nouvelle Star. D'autres présentateurs sont là, mais la vedette, c'est lui. Cette semaine, c'est le village de Viterbo qui a été choisi pour accueillir la sélection des candidats. Un événement célébré comme il se doit. Le maire vient personnellement accueillir le prince. C'est un grand honneur pour nous ce qui se passe aujourd'hui. On ne connaît pas encore le résultat, mais en attendant, l'émission est déjà célèbre dans tout le pays. D'une certaine manière, vous recevez peut-être un futur roi. Eh bien... Vous ne pouvez pas demander à un maire d'un pays républicain si c'est le prétendant. Chaque fois qu'il faut donner un sourire ou un autographe, Emmanuel Philibert s'y prête de bonne grâce, comme s'il était en campagne électorale. Mais sa volonté de se faire aimer du peuple italien en agace certains. Pour moi, la place d'un prince n'est pas à la télé, mais apparemment aujourd'hui, c'est le seul moyen qui lui permette de devenir important, de compter entre guillemets. Moi, je veux un autographe parce qu'il est connu à la télé. La sélection des candidats commence dans un petit quart d'heure. Séance de maquillage. Ah ben je peux te donner. Ça vous semble la place naturelle d'un prince d'être sous les feux des projecteurs, en train de se faire maquiller? Qu'est-ce qu'il devrait faire un prince? Je devrais rester à la fenêtre et dire qu'est-ce qu'elle était belle l'Italie avant 1946 quand il y avait le roi. Je prends le moyen qui rentre dans le plus de maisons qui est la télévision. Et j'explique mon point de vue. Je fais voir qu'Emmanuel, il est aussi auto-ironique, qu'il sait se mettre en jeu, qu'il travaille à la télévision. Et chaque vendredi, je rentre dans 5, 6, 7 millions de foyers. On va voir ce que je dois faire. Dans quelques minutes, les candidats du jour vont défiler devant le prince. Dans la mairie, plus de 100 personnes attendent leur tour. Elles vont chanter, danser, jouer d'un instrument, tout faire pour gagner leur quart d'heure de gloire. Emmanuel Philibert et ses deux co-présentateurs, une comédienne de sitcom et un styliste tout droit sorti du musée Grévin, sont prêts. Ils vont devoir garder leur sang-froid devant des candidats parfois déroutants. Azione. Ça commence par une accordéoniste, Bianchi Nada. Puis vient une chanteuse qui s'attaque au répertoire de Laura Pausini. C'est Laura Pausini al telefono che vorrebbe il numero del suo avvocato per mettersi dopo le... Oh, bravo. Suivent encore le groupe de danse du village, Bacciato, et enfin, l'OVNI. Une chrysalide qui ondule et se découvre devant un prince subjugué. Brava! Lo hai fatto tu il tuo costume? Bello, bravo. Ciao, arrivederci, grazie. Ciao, grazie. À Rome, le prince Emmanuel Philibert a une vue imprenable sur la ville. Un très bel appartement prêté par une star de la télé italienne. Car le prince est un personnage en vue. Dans son album photo, Johnny,
le prince Albert, Elton John. Mais il fait surtout partie de la jet set depuis son mariage avec l'actrice française Clotilde Courau. Un mariage de conte de fées à Rome, devant 3000 personnes, à la basilique Sainte-Marie des Anges, un lieu symbolique. Prometto di esserti fedele, sempre nella gioia e nel dolore. C'est la basilique où mon arrière-grand-père s'est marié. C'était le premier mariage de la famille de Savoie depuis 60 ans en Italie, et même plus de 60 ans. Et je voulais faire ça en Italie. Et quand sa femme décide de devenir meneuse de revue dans un cabaret de striptease parisien, le prince ne bronche pas. Au contraire, il assume toutes les audaces princières, même celle de son épouse. Elle a dansé, oui, dans un cabaret, mais elle a dansé d'une façon, à mon avis, très belle et artistiquement magnifique. Du reste, moi, je vais vous dire, c'est l'unique spectacle où je suis allé voir 4 fois de suite. À cause ou grâce à cette liberté du prince, Emmanuel Philibert est peu à peu en train de réussir à séduire l'Italie. Sur les plateaux de télé, le saltimbanque a gagné un certain respect. Giunta mezzanotte, si spengono i rumori. C'est la répétition générale de l'émission. Emmanuel partage la scène avec Pupo, un vieux routard de la télé italienne. Je pense qu'il a un grand futur dans l'ambiance de le spectacle. Se faire une place en Italie, le pari était loin d'être gagné. Aujourd'hui pourtant, lorsque le prince de Savoie se promène dans les rues de Rome, les Italiens voient d'abord la star de télé. On en oublierait presque que ce pays a voulu effacer les traces de cette famille royale pas très recommandable. L'arrière-grand-père d'Emmanuel de Savoie, c'est l'homme ici, aux côtés d'Hitler, Victor Emmanuel III, le dernier roi d'Italie. En co-signant les lois raciales de Mussolini, il a provoqué l'exil de sa famille et la chute de la monarchie en Italie. J'ai eu tout ce poids sur les épaules. Et moi, quand je suis rentré en Italie, on m'a demandé, mais on s'attend à une excuse de votre part sur les lois raciales de votre arrière-grand-père. J'ai dit, mais qui suis-je pour m'excuser? Moi, je ne peux pas m'excuser. Je peux les condamner. Et je condamne cet acte, fermement. Mais je ne peux pas m'excuser. Pas d'excuse, mais une volonté farouche de laver l'honneur de sa famille. Pour ça, le prince a tout tenté, même la politique. Il y a 2 ans, l'héritier du trône s'est jeté dans l'arène lors des élections européennes. Ce matin-là, en passant devant le Parlement, Emmanuel Philibert croise justement un député qu'il connaît bien. On a fait la campagne électorale dans le même parti, ensemble, sauf que j'ai eu beaucoup plus de voix que lui. Mais lui, maintenant, il est rentré au Parlement. À l'époque, c'était un peu de l'inconscience. Mais, comme j'ai dit, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai pu voir mon pays, j'ai pu faire une campagne électorale, j'ai pu découvrir des gens, j'ai pu découvrir une histoire. Et ça m'a fait beaucoup de bien aussi pour connaître mon pays. Mais le prince de Venise et de Piémont n'a pas eu beaucoup de succès en politique. 2 campagnes, 2 échecs. Cuisant. Le pouvoir lui résiste encore. Quant à l'ancien palais royal, l'endroit où son père a vécu jusqu'à l'âge de 9 ans, il lui est interdit d'y mettre les pieds. Mon père habitait, là, ça s'appelait la Manica Lunga, c'est ce côté dans une des chambres ici. Si la monarchie était toujours là, nous aurions fait l'interview dans ce bâtiment. Malheureusement, la monarchie n'est plus là. On est en train de se tremper. Il y a qui est très confortable dedans, ben voilà. Les rôles tournent, la roue tourne, la vie change. Et c'est pas pour ça qu'on n'est pas heureux et qu'on ne fait pas en rigolant. Ce soir, l'aristo jet-setter ne dormira pas dans les appartements royaux. Mais il sera en direct chez 6 millions d'Italiens. Et pour lui, c'est déjà ça.
Emmanuel de Savoie, oui. quand qui même. Qui n'est pas un aristo, c'est un prince, il faut préciser. Et qui. Oui, il est le roi de l'audimat, mais c'est difficile de grimper au pouvoir. Mais j'essaie de me mettre à sa place. Voilà un garçon. Il y a eu la loi d'exil, évidemment, après la chute du roi Umberto II, qu'on appelait le roi de mai, puisqu'il a régné un seul mois en 1946, et qui a été chassé. Et c'est vrai qu'on a effacé tous les souvenirs de la maison de Savoie. Et donc, lui. Son pays lui était interdit. Il a voulu, en quelque sorte, le reconquérir. Et il s'est dit, au fond, le meilleur moyen aujourd'hui, c'est par les médias, c'est la télévision. Mais la télé-réalité, c'est un... Est-ce que ça choque globalement l'aristocratie? Moi, ça ne me choque pas, personnellement. Je crois que ça choque les monarchistes italiens, qui, pour certains, ont préféré aller se tourner vers un de ses cousins, le duc d'Aoste. Mais, se tourner pour, hein. pour mettre leurs espoirs au cas où la monarchie reviendrait. Toujours en République. Oui, je crois que l'Italie a peu de chances de devenir une monarchie. Mais en tout cas, lui, il fait des efforts louables pour essayer, en tout cas... Et puis c'est compliqué parce que vous êtes tenaillé entre votre tradition, votre passé, qui est très lourd. Quand vous avez... L'histoire de la maison de Savoie est quand même pluriséculaire. Un ancêtre héroïque qui a unifié l'Italie. Ils ont fait l'unité italienne. Et puis de l'autre côté, vous avez besoin de vie, vous avez besoin de gagner votre vie. Parce que, pardon, mais un titre de prince, ça ne vous rapporte rien. Alors il menaille évidemment ses prestations télé. C'est difficile parce que dans le regard des autres, vous êtes obligé de conjuguer au présent le passé. Mais pour vous, pour votre famille, pour élever des enfants, vous êtes obligé de gagner votre vie. Alors attendez, un mot sur cette nouvelle génération décomplexée d'aristo, oui. où l'argent n'est plus tabou. Ah oui, c'est vrai que l'argent était un tabou. On parlait ni sexe, ni argent, ni religion, ni politique hein, dans les familles aristo. Aujourd'hui, évidemment, ils font des affaires.